Amis d'OMSI, bonjour, bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode sur Winsenburg 2015. Aujourd'hui, c'est la ligne 103 entre Obanov et Sassmandorf. Alors, je me suis dit que c'était une petite ligne, donc j'allais sortir un petit bus, voilà. Donc, j'ai sorti le petit Citylis 10 mètres, 3 portes au GNV, les mêmes qu'ils ont chez Transpol. Enfin, maintenant ça s'appelle Ilévia, mais ils avaient les mêmes à Transpol. Et à mon avis, entre-temps, ils ont mis à jour la livrée. Bref, voilà donc. Je vous montre un petit peu à l'intérieur. J'avais envie aussi de sortir ce véhicule pour le mettre un petit peu en avant parce que j'ai vu qu'il n'y a pas grand monde qui roulait avec. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de screenshots où on le voyait. Donc je me dis, allez, je vais le mettre un petit peu en avant. Il se sent tout seul dans son coin. Donc on va un petit peu le montrer un petit peu aux gens. Là, je vous montre un peu à l'intérieur. On a un peu de temps avant de partir, hein. Donc, petite ligne de 8 minutes. Donc ça va être du rapide. Alors, tout comme je l'ai dit dans le dernier épisode. Entre-temps, j'ai fait un mini mode Solea pour un ami qui habite à Mulhouse. Et j'ai dit, allez, je vais te faire un petit mode de texture. Comme ça fera encore plus RP. Donc c'est pour ça que vous avez des textures qui font penser à la Solea à Mulhouse. C'est tout à fait normal. Alors, ça, par contre, le mode de texture, c'est un mode privé. Je le rends pas public. Voilà. Parce que j'ai décidé de pas le rendre public. Voilà. Et en fait, c'était surtout pour cacher les pubs pour les autres DLC de Akrotay, en fait, que j'ai mis ça. Et puis aussi parce que je trouve que ça rendrait mieux aussi. Bref, voilà. Mais ça, les modes des textures, c'est un mode purement privé. Donc voilà. Donc allez, on va aller se mettre en position. Parce que dans le dernier épisode, on est parti un peu à l'arrache. Allez, go, c'est parti. Alors vous allez me dire, pourquoi tu sors un 10 mètres sur une ligne standard? Je sais pas, j'avais envie. Mais quand vous voyez la capacité du bus. Vous dites, bah c'est pas mal en fait. Donc la 103, c'est ici. Ouais. Quai 11. Donc c'est ici qu'on se met. Bonjour monsieur. Eh oui, aujourd'hui c'est un petit bus. Bah pourquoi vous sortez le petit bus alors que normalement c'est un bus normal? Bah écoutez, il n'y avait plus que ça dans le fond du dépôt, hein. Les autres bus standards, ils sont soit en panne, soit ils sont en renfort pour que c'est 19, monsieur. Bah vous avez un bus, de quoi vous vous plaignez, quoi. Ah les gens, je vous jure. Hein. Bon allez, j'avance un peu. Ah bah voilà, ils arrivent, les gens. Bonjour, Guntak, Guntak. Bah je pense qu'avec 82 places, on est large quand même. Alors honnêtement, je suis surpris. Je m'attendais à ce que la map rame avec mes paramètres en mettant du trafic et des voitures. Mais en fin de compte, non, ça va, c'est fluide. Allô. Voilà. Allô. Une fois que... Allez, on est parti. Allez, on est parti, messieurs, dames. Destination Sassmanhof. Alors pourquoi j'ai dit Sassmandorf? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai confondu avec le terminus dans le dernier épisode, je ne sais pas. Alors, la livrée que j'utilise, c'est le même lien que pour la livrée que j'ai utilisée dans l'épisode de lundi sur la 102. Normalement, c'est 30, mais on va rouler un petit peu plus vite parce que les temps de parcours sont ces... Ouah! Bah oui, vas-y, grille-moi la priorité, la Mercedes! C'est pas parce que t'as une voiture haut de gamme que tu peux tout te permettre, hein. Aïe, 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 ces gens, je vous jure. Alors cet épisode est enregistré tout juste après l'épisode sur la ligne 102. Donc je n'ai pas le temps de lire tous vos commentaires, vos remarques et tout ça. Mais quand j'aurai enregistré l'épisode sur la ligne 104 pour mardi prochain, vous inquiétez pas, je vais prendre en compte vos questions, vos commentaires et vos remarques. Le feu rouge comme dans le dernier épisode, où le conducteur il a complètement craqué, il a dépassé son collègue. Alors, il y a un autre truc qui est bien, qui sera bien pour cette carrière suivie. Je peux prendre pratiquement n'importe quel bus d'OMSI 2 parce que il y a sa livrée Winsenburg qui existe quelque part. Et je peux la faire moi-même parce que c'est une livrée qui est très simple à faire donc. Notre premier arrêt, Straben Freundschaft. Freundschaft. Allez. Straße der Freundschaft. On met le dev.
Ah, ça c'est dommage que la troisième porte n'ait pas fonctionné Allô? avec le dev. En fait, le dev ne fonctionne que pour la troisième porte. La troisième porte, vous devez la mettre manuellement. C'est dommage. Ah, troisième porte n'est pas fermée. Voilà. Ah, je vais aller tout droit sur cette ligne-ci. Ah, moi je bombarde, hein. Bon, bah, on va à gauche puisqu'on doit aller tout droit. Ah, feu rouge. Merde. Ah, bye, friend, viens quand même. Umstieg zur U2. Sie erreichen von hier Friedenspark und Stadtarchiv. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai aussi un compte sur la plateforme Odyssée qui se veut être une alternative à YouTube. Et toutes les vidéos que je poste sur ma chaîne se retrouvent également sur Odyssée. Donc, si jamais vous avez un compte Odyssée. Voilà, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur mon compte Odyssée. D'ailleurs, je pense qu'au moment où je vous parle, je dois être peut-être le seul francophone qui fait des vues Homes 2 sur la plateforme. Enfin, la dernière fois que j'ai regardé, il y a quelques temps, c'était le cas, mais. Münchhausenplatz. Bah, vous voulez pas monter? Bah quoi, ils veulent pas monter puisqu'ils ont pas fait signe qu'ils voulaient monter dans le bus. Donc bah moi je continue, hein. Je me prends pas la tête, moi. Les pouces. Je m'attendais pas à tant de fusilité, honnêtement. Je suis bluffé. Oui, c'est bon, rejet des chasseurs, on connaît, oui. Alors pourquoi est-ce qu'il faut une rotation sur eux-mêmes avant de sortir? Allô? Allô? Voilà, et ce coup-ci, j'ai pas claqué la porte au nez des passagers, hein, imaginez que ça vu. Et un feu rouge, youpi. Ah non, c'est bon. Le faux feu rouge. Le feu rouge qui vous fait des. Qui vous troll, qui vous fait des feintes. Pas à plus de 30, sinon les passagers ils ne les aiment pas. Schützenstraße. En vrai, je pense qu'il va plutôt bien ce petit Citelis pour cette ligne. Vous trouvez pas? Ah là par contre on est à l'heure, on est parfaitement à l'heure aujourd'hui.
C'est fou, hein. Le 10 mètres qui a plus de capacité que la majorité des bus d'OMSI 2, c'est complètement dingue. Ah, ce clavier mécanique qui fait un boucan comme c'est pas possible. Puisque vous l'entendez à mon avis très très bien dans mon micro, alors que le micro est à moins 30, est au moins 50 cm de clavier. Ah bah décidément, il m'aime bien les feux rouges aujourd'hui. Blockstrasse. Ah, vu qu'on est à un arrêt terminus, tout le monde va vouloir descendre. Ah non. Et voilà, on approche du terminus. Sasmanov. Sasmanov. Oula, j'ai un petit... Ah bah voilà, il l'a dit. Terminus. Sasmanov. Ah, il dit Sasmanov. Il prononce avec le S, il prononce comme un Z en fait. Allez. Et voilà, terminus messieurs dames. Ah bah lol, c'est quand j'arrive au terminus que l'afficheur fonctionne. Ah il m'a trollé. Ah il est mignon en plus en 10 mètres en plus de bébé Citélis, regardez. Tu restes là, tu n'avances pas plus. Et bien voilà, nous voici arrivés à la fin de cet épisode, j'espère que... Le bus qui te troll. Le moteur dit non. J'ai pas envie de m'éteindre. Je m'éteindrai pas. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. C'est parfois ils avaient des bus sur OMSI, ils font des caprices. Voilà, voilà. Sur ce, eh bien voilà qui conclut donc ce deuxième épisode sur Winsenburg 2015. Mardi, ce sera la 104 et jeudi la 105 techniquement. Voilà donc nos prochains rendez-vous cette semaine. Ce sera demain pour un nouvel épisode sur Ténon où je ferai la 603. Et dimanche 21h30 pour la libre antenne d'OMSI 2. Il n'y a rien qui sort samedi. Il n'y a aucune vidéo, aucun live ce samedi. Mais vous aurez une libre antenne qui est prévue ce dimanche sur Grand Deporto. Voilà, si jamais vous ennuyez un petit peu, je vous invite à venir vous connecter entre 21h30 et à peu près minuit 30, 1h. On va passer quand même une très bonne soirée ensemble. Voilà, voilà. Sur ce, messieurs, dames, n'oubliez pas de liker, commenter, partager si ça vous a plu. Les commentaires, c'est des questions, des suggestions, des remarques ou ce que vous voulez. L'Instagram TechMonzin et enfin le Discord se trouve dans la description. Sur ce, moi je vous dis à demain pour de prochaines aventures. Bye!